pourquoi on est incapable d'arrêter un massacre. Pourquoi sommes-nous incapables d'arrêter ces hommes? Pourquoi sommes-nous incapables d'arrêter cette armée d'Assad? Depuis ce qu'on a vécu en Bosnie, ce qu'on a vécu en Kosovo, ce que nous avons vécu en Tchétchénie, pourquoi le monde civilisé est incapable d'arrêter les massacres? Alors évidemment, on va nous dire qu'aujourd'hui, si on se met d'un côté, ce sont les intégristes qui vont gagner. Après Assad, vous aurez la dictature islamiste. Oui, peut-être. Mais si Assad gagne, c'est terrible. Si nous ne sommes pas capables de défendre ceux qui ne veulent ni des intégristes et ni d'Assad, eh bien nous aurons ou Assad ou les intégristes. Et après, nous pleurons. Il faut enfin intervenir pour dire stop, ça suffit.